Je suis Philippe Ibarrou, je travaille comme chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval. Et je dirige la chaire de recherche du Canada sur les maladies valvulaires cardiaques. Nous, on s'intéresse beaucoup à une maladie fréquente qui touche la valve aortique et qu'on appelle la sténose aortique. C'est en fait un rétrécissement de la valve aortique. Ici, on voit deux exemples. Ça, c'est une valve aortique normale. Il y a trois petits festons bien souples et bien fins qui ouvrent et ferment bien. Et quand on a une sténose aortique, les valves deviennent épaissies, calcifiées, et ça cause un rétrécissement et donc ça gêne à l'éjection du flot sanguin. Et évidemment, à la longue, peut amener des problèmes pour le patient. Ma spécialité, c'est surtout d'étudier les mécanismes qui conduisent d'une part au développement de cette maladie. Et aussi, on étudie beaucoup les maladies valvulaires aortiques par l'imagerie, et en particulier par l'échocardiographie. Donc, de façon mieux diagnostiquer les maladies valvulaires et mieux déterminer le moment opportun pour intervenir, parce que c'est un aspect crucial. Et deuxièmement, une fois que la prothèse est implantée, s'assurer que ces prothèses fonctionnent bien et qu'il n'y a pas de complications. Je pense qu'une des contributions importantes qu'on a eues, ça a été de trouver parce que chaque patient est différent, pour un patient donné, quel est le meilleur moment pour intervenir, quel est le meilleur type d'intervention, chirurgie versus intervention percutanée, et le meilleur type de prothèse, parce qu'on a plusieurs modèles de prothèses, et également la meilleure taille. Moi, je suis le Dr. Joseph Rodescavao, directeur du laboratoire d'hémodynamie à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec et professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval. C'est une des dernières percées qui nous a occupés dans les 10 dernières années a été l'implantation des valves par cathéter, de remplacer la valve aortique par cathéter et éviter une chirurgie à corps ouvert chez des patients qui sont considérés à très haut risque chirurgical. Cette opération par cathéter consiste vraiment à... D'abord, on a une valve qu'on a vue, une valve qu'on va introduire à l'intérieur d'un cathéter. Et ce cathéter, il faut qu'il arrive au cœur. La plupart des fois, on pourra arriver au cœur à travers l'artère fémorale, l'artère de la jambe. Et une fois qu'on arrive au cœur, on va déployer cette valve qui va prendre la place de la valve qui est malade. Maintenant, on a des prothèses qui sont de plus en plus performantes et surtout qui permettent d'être implantées de façon à moindre risque. Et donc, ça nous permet d'adresser une plus grande partie de la population. Et également, et ça c'est une des choses auxquelles on a contribué, on a amélioré la performance hémodynamique des prothèses, c'est-à-dire qu'elles elles ont une fonction qui est plus optimale, ce qui permet aux patients d'avoir une meilleure qualité de vie, de pouvoir continuer à jouer au tennis s'ils jouaient au tennis avant, et de pouvoir continuer à faire leurs activités comme ils faisaient avant.